un trou noir menace d'absorber la planète Zera. Les habitants de celle-ci, alors qu'ils sont d'une nature bienveillante et pacifique, ont fabriqué un androïde du nom de Darius afin de les diriger et pouvoir les sauver. Hélas, ce dernier est d'une nature franchement maléfique et va se comporter en véritable tyran. Il n'oublie néanmoins pas sa mission et, afin de sauver les Zeraïens, peut-être, décide d'envahir la lointaine planète Terre pour pouvoir en faire une nouvelle patrie. Heureusement, les Terriens disposent pour les aider de deux mechas afin de pouvoir repousser les envahisseurs. Le robot Guy King, piloté par Sanshiro Tsubaki, un ancien joueur de baseball, et l'immense forteresse volante d'Aikyu Mario, qui accueille en son sein d'autres véhicules de combat plus petits. Aikyu Mario, bonjour. Pollution protector. Missile hasha. Guy King, Gattai. On notera la fiche technique complètement irréaliste du Daiku Mario, qui nous annonce par ailleurs contenir 68 membres d'équipage. Il est censé mesurer 500 mètres, mais une fois à l'intérieur, on a l'impression qu'il est bien plus grand. Si je devais résumer Guy King en un mot, ce serait... bof. On a vu pire, mais aussi beaucoup mieux. A l'instar de ce que je disais pour Die Rugger 15, il y avait de bons concepts de base, mais quasiment inexploités. Sans même parler d'un qui passe complètement à la trappe. On nous apprend en effet dans le premier épisode que tous les différents membres de groupe de héros, 7 en tout plus un gamin et le professeur, sont censés posséder des pouvoirs psychiques. Oui, d'accord, très bien. Sauf que passé le deuxième épisode, et à une exception près, ceci ne sera plus jamais évoqué. Le groupe se compose donc de 7 personnages, dont un américain et un chinois. Ce, entre guillemets, cosmopolitisme est plutôt remarquable pour une œuvre de 1976. Qui ne seront hélas pas tous traités avec le même soin, même si chacun d'eux bénéficiera au moins une fois de son épisode dédié. Pire encore, l'équipage comprend une jeune femme, Midori, qui est en réalité d'origine extraterrestre. Ceci nous est amené comme un cheveu sur la soupe au beau milieu de la série, et l'épisode terminé, là encore plus jamais cela ne sera évoqué par la suite. Certains épisodes sont plutôt orientés combat de robots, mais heureusement d'autres s'attardent nettement plus sur la vie privée des personnages, même si cela reste insuffisant. Et puis surtout, il y a 3-4 épisodes qui, niveau ambiance, font quand même furieusement penser à du Grandizer. Sans compter que certaines BGM sont reprises de ce dernier, même si avec Shunsuke Kikuchi on a l'habitude. Mention spéciale à l'épisode 8, copier-coller du 25 de Grandizer avec Naida, et ils ont poussé le vice à carrément donner la même seiyuu au personnage. やめろいいだ。さよならサコンさん。私も地球人に生まれたかった。やめるんだよ。リーダ。リーダ。リーザもこの大空の下で花に埋もれて死にたかったろうに。Bref, pour l'originalité, on repassera. Quant aux méchants, il faut bien admettre qu'ils sont totalement ratés et sans charisme, alors que cela fait généralement partie du charme de ce genre de série. Et une des attaques du Guy King est la plus moche que j'ai jamais vue dans un robot d'animé. Enfin, techniquement, c'est vraiment pas la joie. Je trouve même que ça empire sur la fin.
un bon point toutefois, s'il fallait en trouver un, on voyage pas mal. Le Daiku Mario va se rendre dans un certain nombre de pays tout le long des 44 épisodes. Il y en a carrément un qui se déroule en France. Paris, Roissy, ouais, la forteresse atterrit à Roissy, et le combat final a lieu à côté du Mont-Saint-Michel. Mais plus souvent, il s'agit de lieux liés à des mystères bien connus, comme le Loch Ness, les ruines de Nazca, l'île de Pâques, etc. L'idée se reprise quelques années plus tard dans Acrobunch. Autre bon point, un très bon cast avec de grosses pointures comme Akira Kamiya ou Makio Inoue. En fait, Guy King est peut-être plus intéressant pour ses coulisses que l'anime en tant que tel. En effet, c'est à cette date que la Toei Animation décide de se passer des services de Go Nagai, Dynamic, pour créer leur propre série de robots. Mais Dynamic a quand même participé aux ébauches de l'anime, je ne saurais dire jusqu'à quel point. Mais d'ailleurs, ça se voit au niveau de la tête du Guy King. Toujours est-il que Guy King va causer un froid entre Go Nagai et la Toei. La hache de guerre ne sera enterrée que plus d'une décennie plus tard. Bon, terminons sur cette anecdote. Guy King est très vraisemblablement une erreur de retranscription du mot viking. Clairement pas un indispensable. Dommage de ne pas avoir développé le potentiel à sa juste valeur. Daiku Maru, それは巨大な戦う移動ロボット基地である。ガイキン、それは大空魔竜から発射されるスーパー合体ロボットである。地球侵略を開始した宇宙人を迎え撃つ7人の超能力者たち。次回、新番組、大空魔竜ガイキングにご期待ください。君の平和が狙われてるぞ窓を開いて空を見ろ迫る宇宙の侵略を迎えるって大空魔竜飛び立て飛び立て外気で恐怖のデスクロス全てを吸い込むブラックホール私は死ないぞ君の未来